Bon, comme je vous disais, le premier prix, c'est un prix qui a été dédié à 100 personnalités qui ont été sélectionnées dans le monde entier, sur les 5 continents, pour voir quels sont ceux qui ont œuvré de manière fondamentale pour l'avenir des peuples noirs et pour l'avenir de l'Afrique. Et dans cette distinction, vous avez donc des aînés comme Cheikh Anta Diop, qui est décédé quand même depuis plus de 25 ans, qui est donc dans ce palmarès, dans ce qu'ils ont appelé Hall of Fame Honoris, dans ce panthéon des célébrités. Vous avez des personnes comme la veuve de Martin Luther King, qui est aussi décédée. Bon, mais vous avez quand même aussi des personnes qui sont encore vivantes, comme Mohamed Ali, le boxeur. Vous avez des personnes... Bon, même Fela n'est plus vivant, mais lui aussi, on lui a décerné ce prix-là. Et ma modeste personne, entre autres. Bon, je suis heureux que l'Afrique centrale a pu être représentée par ma modeste personne, et le Cameroun en particulier. Comme je disais, j'étais un peu surpris moi-même que de là-bas, ils savent ce que je fais, puisque moi, j'ai pris la décision que je reste au Cameroun. Je ne pars pas. Malgré toutes les misères, je reste ici et j'essaie de faire mon travail, même dans l'anonymat, comme je leur ai dit là-bas. Je leur ai dit que moi, je ne comprends pas. Vous me connaissez? Où est-ce que vous me connaissez? Puisque au Cameroun, même les gens ne savent pas ce que je fais. Et même à Douala, les gens ne savent pas où est Afrique à venir. Même à Bonaberry, les gens n'entrent pas. Comment est-ce que vous, aux États-Unis là-bas? Finalement, ils se sont un peu moqués de moi, en riant, en se disant que non. Aujourd'hui, quand vous faites quelque chose au niveau mondial, ce n'est pas caché. Donc, encore une fois, je dis que ces deux prix, ce premier-là et le deuxième, vraiment, je le dédie à notre peuple du Cameroun, parce que je connais mon peuple, je suis là, j'habite le Cameroun depuis, je suis rentré depuis 1979, et je sais qu'ici, c'est l'argent qui compte. L'argent par tous les moyens et n'importe comment. C'est-à-dire que l'argent est devenu même plus important que Dieu au Cameroun. Bon, mais l'avenir de ce continent, c'est appartient à ceux qui pourront mettre des repères pour que les Africains, les Camerounais aient des repères qui leur permettent maintenant de sauter et d'utiliser ce que Dieu leur a donné. Et moi, j'ai consacré ma vie à essayer d'établir les repères. Même si on n'utilise pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. On va utiliser un jour. L'essentiel, c'est que cet héritage ait été constitué. Voilà donc pour le premier prix. Vous dites donc que ce prix représente pour nous, Africains, pour nous, Camerounais, un challenge à venir. Ben oui. Disons que c'est un challenge. Parce que, encore une fois, comme ça s'est discuté là-bas, vous aviez, c'est-à-dire que c'était pas seulement une impression, c'était clair que tous les Africains, c'est-à-dire les descendants africains qui sont de par le monde, attendent énormément de l'Afrique, et ils veulent venir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une jonction, il faut qu'il y ait une jonction pour qu'on fasse ensemble. Parce que je crois que tout le monde a compris que les richesses immenses que Dieu a données se retrouvent en Afrique encore. Ce n'est pas encore parti. Bon, donc il faut réveiller l'intelligence
Il faut réveiller les esprits pour faire la jonction avec nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui sont partis peut-être depuis 5 siècles ou depuis seulement 30 ans. Il faut faire la jonction avec eux. Et c'est ça qui va sauver l'Afrique. Parce que ce siècle, le 21e, encore une fois, est le siècle de l'Afrique. Mais vous avez encore beaucoup de Camerounais qui n'ont même pas compris ça encore. Ils sont en train, c'est-à-dire à la recherche effrénée de l'argent, tout de suite. Or, ils n'ont pas compris qu'ils vivent sur un continent qui est béni par Dieu, qui a tellement de potentialités. Et quand vous allez donc à l'extérieur, vous vous dites, mais donc, c'est ça l'Afrique? Parce que tous les autres font des politiques sur l'Afrique. Parce qu'ils veulent venir chercher ce que Dieu nous a donné. Alors, et les Africains, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les Camerounais, ils veulent partir seulement. Ils veulent seulement partir, ils veulent fuir. Ils ne comprennent pas que il faut supporter ces temps difficiles-là. Parce que les temps difficiles, ce n'est pas parce que nous sommes pauvres. Les temps difficiles, c'est parce que nous avons été désaxés mentalement. Et que si on arrive à reconstruire, à avoir de nouveau nos repères, mais nous serons imbattables. Donc, c'est ça, pour moi, ce prix de Inaugural Hall of Fame. Parce qu'encore une fois, il faut que nous ayons nos Hall of Fame, nos panthéons. Il faut arrêter un peu d'aller dans les panthéons des autres. Et c'est ça où j'ai vu comment c'était quand même magnifique. De voir que il y a maintenant ce Hall of Fame de la African diaspora. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que, et encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites-vous vos prix. Honorez vos gens. Arrêtez d'aller vous faire honorer par les autres. Et je crois que c'était le message fort qui a été lancé à Atlanta. Et je remercie mon Dieu que, bon, il m'a choisi comme Camerounais pour pouvoir représenter le subcontinent, entre autres, le Cameroun. Et je dis seulement, mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous à l'œuvre et puis lisez. Arrêtez de refuser de lire. C'est la lecture qui va vous permettre de faire les grands bons en avant. Et quand vous imaginez, c'est-à-dire ce que j'ai eu comme impression quand j'entre à la bibliothèque publique à New York et je trouve qu'il y a 15 de mes livres là-bas. Des livres en français, en allemand, etc. Tandis que quand je suis à Douala, quelle est la bibliothèque à Douala qui a même 4 de mes livres? Quelle est la bibliothèque à Yaoundé qui a même 4 de mes livres? Mais à New York, il y en a 15 qui sont là. Et je suis fatigué de dire que j'ai écrit tellement de livres. Et ces livres, c'est pour permettre à l'humanité d'avancer. Ça, c'est ma petite contribution. Mais, encore une fois, je lance un message aux Camerounais. Lisez au moins, même si vous ne lisez pas mes 73 livres, lisez au moins 2. L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute, ce livre-là. L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute parce que nous devons avoir la tête haute pour tout ce que nous avons fait depuis le début de l'humanité et tout ce que nous avons préparé aujourd'hui. Lisez ce livre et lisez le deuxième livre pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Le deuxième livre est intitulé « 50 ans déjà, quand cessera enfin votre indépendance là ?» Je dis bien « quand cessera enfin votre indépendance là ?» C'est-à-dire pour comprendre pourquoi on a échoué. Si tu n'as pas compris pourquoi tu as échoué, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, si dans chaque famille camerounaise, on pouvait au moins avoir ces deux livres-là, que aussi bien les parents que les enfants peuvent avoir accès à ces livres. Mais est-ce que vous savez que le déluge de Noé, ce que vous lisez dans la Bible, le déluge de Noé s'est passé ici en Afrique, jusqu'au nord Cameroun? Vous lisez la Bible tous les jours, mais vous ne savez même pas ça. Vous ne savez même pas que les eaux du déluge de Noé sont encore dans le désert du Sahara aujourd'hui. Alors vous êtes qui? Vous ne savez même pas que vous aviez une douane ici, vous aviez une monnaie avant que les Européens ne viennent. Et la monnaie camerounaise, je répète ça à chaque fois, un crou du Cameroun valait 20 marques allemandes en 1884. Donc vous ne savez même pas qui vous êtes. Hein? Et vous voulez seulement prendre ce que les autres font. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas réussir. Il faut d'abord savoir qui vous êtes, savoir ce que les autres ont apporté et voir comment maintenant sauter. Et l'éducation,
L'éducation, c'est-à-dire depuis le primaire jusqu'à l'université, ça doit être revu et corrigé. Moi, je suis professeur d'université de rang magistral. Et maintenant, c'est moi qui, dans le monde, c'est à moi qu'on a donné le Outstanding Scholar. Donc, je parle avec autorité. Je dis qu'il faut revoir ces programmes scolaires et universitaires et urgemment pour permettre à l'Afrique de faire le grand bond. Et nous pouvons faire le grand bond. Nous avons les moyens. Il faut seulement que notre tête qui a été déréglée, qui a été effacée, que ce savoir-là se remette en route, parce que les Africains, ce sont les plus grands ingénieurs. Alors, une question pour sortir. Vous avez dit que le Cameroun doit s'atteindre à un challenge touristique dès maintenant, et vous avez lancé un appel qui s'adressait même aux autres. Mais oui, mais parce que moi, maintenant, je vais là-bas aux États-Unis, on me donne tous ces prix-là. Tous ces gens veulent maintenant venir ici. Ils vont venir ici et ils risquent même de trouver Afrique Avenue Bonaberry fermée. Parce que je n'ai pas les moyens. La bibliothèque chez Kanta Diop est là. Elle est connue. Mais je n'ai même pas une bibliothécaire pour gérer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Mais il faut que le gouvernement et les entreprises privées prennent leurs responsabilités. Parce que quand ces gens vont venir, ce n'est pas moi qui aurai honte, hein. Moi, j'ai fait mon travail. On peut aller sur Internet, sur YouTube, etc., voir tout ce que je fais. Mais quand ils vont maintenant venir sur place, ils vont plutôt dire, oh, c'est Afrique Avenue Cameroun, il vaut mieux aller à Afrique Avenue Berlin ou Afrique Avenue Windhoek. Donc, je crois que les entreprises, vous savez très bien que les entreprises peuvent défalquer une partie de leur argent pour donner à des fondations. Et comme ça, ils sont déchargés d'une partie des impôts. Cette possibilité de financement est possible, ça on le sait. Et puis que le gouvernement mette, c'est-à-dire prenne ça au sérieux. Pour la première fois depuis 27 ans, nous avons bénéficié, puisque c'est le président de la République qui a donné les instructions, pour que mon voyage aux États-Unis soit financé. Bon, donc je crois que c'est un début, mais maintenant il faut aller plus loin. Il faut consolider la structure. Une structure comme ça, financée pendant 27 ans d'une poche privée, c'est-à-dire qu'elle est saturée. Il faut maintenant que tous les projets qui existent soient financés. Et vous allez voir le nombre de touristes scientifiques même que vous aurez ici. Oui, Magister, pour sortir directement, pouvez-vous nous dresser votre portrait? Mon portrait, allez sur Internet, allez sur YouTube. Vous aurez plus de 40 vidéos sur moi sur YouTube. Donc je dis ça parce que c'est moi je suis qui? Moi je suis le prince Bel et Belé. N'est-ce pas? Quand les Européens sont venus ici, c'est mon grand-père, vous voyez bien son siège royal, Lok Prizo, Kumambape. C'est lui qui a été le premier à dire non à la colonisation en 1884. Bon, je suis sur son trône, mais je suis professeur d'université de rang magistral, comme on dit, de classe exceptionnelle. Bon, mais en même temps, je suis écrivain. En même temps, c'est moi qui ai créé Afrique Avenue qui a... Et vous savez, à Washington, ils m'ont demandé qu'ils veulent créer Afrique Avenue là-bas. C'est comme à Paris aussi, au mois de mars, les gens là-bas ont demandé qu'ils veulent aussi créer Afrique Avenue à Paris. Mais j'espère quand même que tous ces Afrique Avenue-là ne vont quand même pas tout le temps dépasser Afrique Avenue Cameroun, qui est le siège. Alors, Majesté, je vais vous poser une question sur l'esclavage. On sait qu'on avait fait beaucoup de travaux sur l'esclavage. Et avec la qualité récente, on considérait, je crois, le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Et en France, François Hollande a laissé entendre qu'on ne peut pas payer de l'argent, en quelque sorte, je vais paraphraser, on ne peut pas payer de l'argent pour compenser ce que l'Afrique a perdu de l'esclavage. Elle ne peut pas avoir compensation financière de l'esclavage. Vous qui avez beaucoup travaillé sur l'Afrique, parce qu'on sait qu'il y a des ONG africaines et même occidentales qui pensent que l'Afrique doit recevoir en termes financiers, quelque chose pour ce qu'elle a subi de l'esclavage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, mais je crois qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que l'esclavage au niveau économique. Hein? Les Africains sont partis d'ici par les Européens et ils sont allés travailler dans les plantations des Européens en Amérique. Et c'est ça qui a enrichi l'Europe. Et c'est ça qui a enrichi l'Amérique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que le continent se vidait ici, parce que ce n'est pas seulement les gens qui sont en profession qui sont partis, hein. Les gens qui sont partis d'ici, c'était des médecins, c'était des ingénieurs, c'était des enfants, c'est tout le monde. Même des princes qui sont partis en esclavage. Donc ça veut dire que pendant que nos pays se déstructuraient, leur pays se structurait et la richesse était créée par la force de nos frères et sœurs là-bas.
Donc ça veut dire quoi? C'est ça qui a permis à l'Europe et à l'Amérique maintenant de dépasser le continent africain comme ils nous dépassent aujourd'hui. C'est ça qui leur a même permis après l'esclavage de nous coloniser. Donc il faut des réparations. Mais la réparation n'est pas seulement financière. La réparation est aussi morale et psychique. Les Noirs, jusqu'à aujourd'hui, quand vous parlez avec un Noir, il dit « Ah, il s'est là-bas, Kalababou Kipso. » Il dit « Ah, tu sais, les Blancs nous dépassent. » Parce qu'on lui a mis dans la tête que tu es un esclave, tu es inférieur aux Blancs. Et ça, c'est depuis la période de l'esclavage. Donc, il faut des réparations, même psychiques et intellectuelles. Ce n'est pas seulement les réparations financières, mais les Européens, je sais, ils ont peur. Ils ont peur qu'on leur demande maintenant de payer, mais ils vont payer. Ils ont payé aux Juifs. Il ne faut pas oublier ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont et payent jusqu'à aujourd'hui aux Juifs. Donc pourquoi est-ce que les Africains, quand on parle, on ne veut pas nous payer? Ils doivent payer. Mais pour qu'ils payent, il faut que l'Afrique soit forte et unie. C'est là où on va faire à ce qu'on les oblige à faire. Les Juifs sont forts et unis. Et c'est pour ça qu'on paye. Si vous restez les Africains là, vous êtes 1 milliard, avec plus de 50 États, vous n'aurez rien. Jamais.